J'aimerais parler avec vous aujourd'hui, Bezrat Hashem, des halakhot de Shavuot qui tombent, comme dans ce cas-là, qui tombent à Motsei Shabbat. Il y a quelques points qu'il faut connaître, qui sont importants, et on va essayer d'expliquer un petit peu le déroulement de la fête. Premier point important à connaître, c'est que cette année, on va avoir un problème, parce que d'une part, on va avoir la Seoula Shlishit à accomplir le jour de Shabbat. Et d'autre part, juste après la Seoula Shlishit, on va devoir accomplir le repas de Yom Tov, de Motsei Shabbat. Donc les poskim, aussi Mantav Kuf Kaftet, le Chafetz Chaim, le Kafah Chaim, tous les poskim disent que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avancer la Seoula Shlishit le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ça veut dire de préférence avant l'heure de Mincha Ktana. On regarde dans le calendrier, c'est à quelle heure Mincha Ktana? Commencer la Seoula Shlishit à ce moment-là. Et là, il n'y a pas de devoir de pas trop manger. Si par contre, on fait la Seoula Shlishit après ce moment-là, on ne va quand même pas ne pas faire la Seoula Shlishit sous prétexte qu'il y a Yom Tov. Shabbat, contrairement à ce que les gens pensent, on est obligé de faire trois repas. C'est obligé. Seoula Shlishit, ce n'est pas un luxe. C'est obligatoire. Même les femmes, aussi bien les femmes que les hommes. Seoula Shlishit, c'est obligatoire. Sur du pain, c'est obligatoire. Sur deux pains, c'est obligatoire. Donc, c'est vraiment une Seouda comme une autre. Je ne parle pas des chassidim pour lesquels Seoula Shlishit, c'est Shalosh Sideh, c'est Ra'avad des Ra'avin. Je parle même selon le Pshat, Shulchan Aruch, il faut faire trois repas. Donc, si je n'ai pas réussi à faire ma Seoula Shlishit avant Mincha Ktana, il n'y a pas de raison de ne pas faire. Je ferai, mais là, je mangerai le minimum. C'est combien le minimum? Un petit peu plus que 56 grammes de pain, un petit peu plus qu'un kabetza. Ça, c'est, dans un premier temps, la halakha de Seoula Shlishit. Maintenant, Bezrat Hashem, Motsei Shabbat, on va devoir, Shalom Vracha, Motsei Shabbat, on va devoir allumer les Nerot de Yom Tov. Alors, les Nerot de Yom Tov, comment ça se passe? Alors, premièrement, conseil que je vous donne, pour celles qui allument avec de l'huile, avec des flotteurs, etc., je vous conseille de préparer les flotteurs avant Shabbat. Pourquoi? Il y a des poskim qui veulent dire que de prendre un petit flotteur et de mettre dedans la mèche, que c'est un problème de métaken. Tu prépares quelque chose, tu prends des morceaux qui ne sont pas préparés, tu les prépares, tu fabriques quelque chose. Donc ça, c'est un premier problème. Et donc, métaken, ça ne change rien, Shabbat Yom Tov, métaken, c'est assaut. Donc c'est la raison pour laquelle Chachamim, certains poskim, il y en a qui vont autoriser malgré tout. C'est un peu comme une seringue dans laquelle on prend deux parties, on les colle. Il y en a qui veulent autoriser, mais en tout cas, comme il y en a qui interdisent, le mieux c'est de préparer ça avant Shabbat. Comme ça, on en aura suffisamment pour Shabbat, on en aura suffisamment pour Yom Tov. Maintenant, à quelle heure on allume les Nerot de Yom Tov? Alors, en général, quand Yom Tov, ça ne tombe pas un vendredi, eh ben, on essaye de faire comme on fait en général Shabbat, de rajouter du chol à la Kodesh et d'allumer une vingtaine de minutes avant les Nerot Yom Tov. Là, on a un problème, c'est qu'on est en plein Shabbat. Si quelqu'un veut être mahmir et allumer alors qu'on est en plein pendant Shabbat, c'est complètement assourd. Donc on va attendre qu'il fasse complètement nuit, et c'est là qu'on pourra, Bezrat Hashem, allumer les Nerot de Yom Tov. Maintenant, le soir de Yom Tov, on va avoir un kiddush particulier, parce que c'est un kiddush qui va être à la fois kiddush et à la fois Avdala. On est en train de quitter Shabbat, on va rentrer dans Yom Tov. La kiddusha de Yom Tov, elle est moins importante que celle de Shabbat. Et donc, on va devoir faire une Avdala. Chachamim ont institué dans ce genre de circonstances que l'Avdala, elle soit dans le Kiddush. Et le célèbre principe que Chachamim nous ont donné, c'est Yakneaz. C'est quoi Yakneaz? Yud, Kuf, Nun, He, Zayin. Les gens, ça leur est familier un petit peu ce terme-là. C'est quoi Yakneaz? Le Yud, c'est Yayin. On commence par la bracha de Baruch Ata Hashem Lokel Mecholam pour réparer à Geffen. Après, Kuf. Kuf, c'est Kiddush. Baruch Ata Hashem, Ram, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, etc. On fait le texte du Kiddush. Après, Nun. C'est quoi Nun? Ner. On va voir la lumière. Il faut avoir une lumière, évidemment, qui a été allumée avant. Ou alors, on peut l'allumer pendant Yom Tov, mais à partir d'un feu déjà existant. Et on fera le Ner. Après, je rentre dans les détails. Après, He, c'est Avdala. Baruch Ata Hashem, Avi Kodesh Techol, Venon Lechosher. Baruch Ata Hashem, ma vie vient Kodesh le Kodesh. D'accord? Après, c'est quoi Yaknehaz? C'est quoi Zayin? Zman. C'est quoi Zman? Shechianu. Baruch Ata Hashem, Shechianu. Remercie Kadosh Baruch Hu de. Il y a un problème? Non, on voit tout le monde là? Hein? C'est quoi Yaknehaz? Zayin, c'est Zman. C'est quoi Zman?
c'est Shehrianu, merci Hachem de nous avoir permis d'arriver à ce temps-là, qui est un temps tellement sacré, tellement bien, tellement positif, on reçoit la Torah, etc. etc. Donc ça, c'est l'ordre selon lequel on procède. Maintenant, pour le nerf, la plupart du temps, la plupart des fois, qu'est-ce qu'on fait en général? On allume une veilleuse avant Shabbat. Donc on n'a qu'une flamme. Maintenant, mais Ikar Adin, on a le droit de faire la bracha de Boré Meoré Aesh sur une seule flamme. Simplement, le mieux, c'est de faire toujours sur ce qu'on appelle une avouka, ça veut dire qu'il y a au moins deux flammes. Alors ce qu'on peut faire, on peut prendre une allumette, la rapprocher du feu à ce moment-là, et faire la bracha juste après qu'on ne l'éteigne pas. C'est interdit Yom Tov d'éteindre. On la pose délicatement. Si c'est compliqué ou quoi, on a aussi le droit de faire que sur une seule lumière. On la regarde, c'est tout. Ouais, on s'approche d'elle, on fait la coutume qu'on a avec les doigts. Et voilà. Donc ça, c'est les halachot de Yakneaz. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Non, d'abord, on allume les nerfs. Oui, on allume les nerfs, si on peut. Si on ne peut pas, tant pis, on allumera après. Si on est invité, par exemple, on pourra allumer après. Si on peut, on allume avant. Maintenant, et après qu'on a fini tout ça, on boit du vin, qui est le vin du Kiddush, plus le vin de la Havdala. Maintenant, j'aimerais réfléchir avec vous un petit peu à quelques points. Je sais qu'on ne va pas être maintenant que dans les Hilchot Yom Tov, on va être aussi dans les Halachot de tous les Yom Tov en général, mais c'est quelques points qui doivent être importants et être compris. En général, comment ça se fait que Motsei Yom Tov, quand on fait la Havdala, comment ça se fait qu'on ne fait pas la bracha sur le feu? Par exemple, là, quand on va faire dimanche soir la Havdala, oui, on ne fera pas la bracha sur le feu Boré Moré Esh. Parce que c'est spécifique à Motsei Shabbat, le feu, il a été créé. Il a fait. La raison, c'est très clair, très bien, Chazak. La raison, c'est que pourquoi tous les Motsei Shabbat, on prend une flamme, on fait la bracha? Pourquoi? Parce que le feu a été créé Motsei Shabbat. Il écrit que Adam Arishon, le vendredi, il a été créé, il faisait jour, il était content. Et puis d'un coup, Motsei Shabbat, il a vu qu'il faisait nuit, il ne savait pas quoi faire. Il a trouvé des pierres, il les a frottées l'une contre l'autre et il y a du feu qui a surgi. Donc, en souvenir de Adam Arishon, on fait Motsei Shabbat sur le feu. Pardon ? Vendredi soir, il a compris que c'était Shabbat, de toute façon, il ne pouvait pas allumer. Je ne sais pas. En tout cas, il s'est arrangé Shabbat. Motsei Shabbat, il a commencé à déprimer. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est la raison pour laquelle on fait le feu. Donc si vous me posez la question, pourquoi dans le kiddush de Yakneaz, de Motsei Shabbat, on a institué la bracha sur le feu? Parce que c'est un Motsei Shabbat. Cette année, un Motsei Shabbat, ça va être Yom Tov. Donc puisque c'est un Motsei Shabbat, c'est tout à fait normal qu'on fasse la bracha sur le feu. Maintenant, ce qu'il va falloir essayer, Bezrat Hashem, de comprendre, ça va être là, les Bessamim. Les Bessamim, il faut réussir à bien comprendre. Alors la question qui va se poser, ça va être les Bessamim. Moi, je me pose plusieurs questions. Première question, pourquoi le Motsei Yom Tov, il n'y a pas de Bessamim? Alors que Motsei Shabbat, il y a Bessamim. J'aimerais que vous compreniez bien tout ça, d'abord parce que c'est intéressant. Et ensuite, comme ça, parce que chaque fois, c'est Motsei Yom Tov, on se demande, là, c'est quoi, c'est la bougie, c'est machin. Les gens, ils ne savent pas, après, qu'est-ce qu'il a dit le rabbin à la synagogue, on fait quoi ce soir? C'est dommage, c'est tellement simple. Il suffit, voilà, Rivka, je suis sûr qu'elle ne se pose jamais de questions, elle connaît tous les principes et c'est clair. Alors venez, on réfléchit ensemble. Pourquoi Motsei Shabbat, en général, on fait les Bessamim? Venez, on commence dans l'ordre. Pourquoi dans l'Avdal Motsei Shabbat on a institué que tu prennes des Bessamim? Je peux vous faire un scoop, c'est que si maintenant, Madame Journeau, vous m'amenez un petit peu de menthe, je peux maintenant, or que ce n'est pas Motsei Shabbat, prendre la menthe et faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Borei Yitzbe Bessamim. Ce n'est pas une bracha, les Bessamim, qui est vraiment propre à Motsei Shabbat. Mais Chachamim ont demandé qu'à Motsei Shabbat, on fasse Bessamim. C'est-à-dire que ce soir, personne ne peut m'obliger de prendre de la menthe ou du hadas et de faire Bessamim. Motsei Shabbat, on me demande, amène, s'il te plaît, des herbes odoriférantes et fais la bracha. Question, pourquoi? Hein? Pour remplacer la Neshama et Tera qui s'en va. Pour la consoler, en fait. Voilà, remplacer, on n'arrivera jamais. Non, pas remplacer, mais pour compenser. Très bien, très bien. Dit la Gemara dans Masechet Betsa. Akadosh Baruch Hu donne le vendredi à l'homme une âme supplémentaire. D'accord? Cette âme-là, en général, on la sent. Parfois, on ne la sent pas, mais ce n'est pas grave. On a une âme supplémentaire. Non, cette âme, elle nous quitte Motsei Shabbat. Donc, Motsei Shabbat, c'est l'angoisse. Pourquoi? Cette âme-là qui nous réjouissait tellement, qui nous apportait tellement, elle nous quitte. Maintenant, pour se consoler de cette difficulté, on sent des herbes odoriférantes. Pourquoi sentir des Bessamim?
On aurait pu instituer de manger une pizza. Bon, c'est vrai qu'elle met le malka. Mais pourquoi? Le malka, c'est pour accompagner la reine. Pourquoi on a institué que ce soit par les odeurs? Réponse, la Gemara dans Maseret Brachot dit explicitement que la bracha qui est spirituelle, plus précisément le sens humain qui est spirituel, c'est l'odeur. Il y a écrit « Kol aneshama te alelia alléluia ». D'où on déduit qu'il faut faire la bracha sur les bessamim. Parce qu'il y a écrit « Kol aneshama te alelia alléluia ». Toute mon âme, elle va remercier Hachem. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui réjouit mon âme et pour lequel il faut que je remercie Hachem. Dit la Gemara dans Maseret Brachot, qu'est-ce qui réjouit l'âme de l'homme? Ce n'est pas les pizzas, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le fromage. Qu'est-ce qui réjouit? C'est les herbes odoriférantes, les bessamim. Et c'est de là qu'on va déduire que sur les bessamim, on fait la bracha. Donc, puisque mon âme, elle me quitte, alors l'âme restante, il faut bien la réjouir. On lui amène ce qui la réjouit, on amène des herbes odoriférantes. Donc, pourquoi le Motzei Shabbat? Tous les Motzei Shabbat, ne vous posez pas la question, tous les Motzei Shabbat du monde, sauf exception, on doit faire la bracha sur les bessamim. Maintenant, je passe à un autre sujet. Que se passe-t-il dans le cas où Motzei Shabbat, ça va être un Yom Tov, comme c'est le cas, cette fête de Shavuot. Motzei Shabbat, ça tombe un Yom Tov. Eh bien, on a dit hein, comment ça se passe le Kiddush, je ne vous ai rien caché. Le Kiddush, c'est Yak Nehaz. C'est passé où les Bessamim? Il n'y a pas de Bessamim. Question, pourquoi il n'y a pas de Bessamim? Parce qu'il y a la joie de Yom Tov. Très bien. Alors, c'est ce qu'il faut essayer de définir. Pourquoi il n'y a pas de Bessamim? Alors, Tosfot, des grands commentateurs de la Gemara, Tosfot, ils disent, il faut savoir une chose, c'est qu'à Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yetera. Tout ce qu'on dit qu'il y a une Neshama Yetera, c'est pendant Shabbat. Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yetera. D'où la question. Si Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yetera, alors comment ça se fait que quand c'est Motzei Shabbat qui tombe à Yom Tov, puisqu'on perd complètement notre Neshama Yetera, eh ben, on devrait maintenant être triste et devoir faire les Bessamim. Dis Tosfot, oui, mais comme malgré tout, pas Stam, c'est Yom Tov, on va manger vraiment une nourriture spirituelle, avec les divrei Torah, machin. Ça, c'est déjà en mesure de nous consoler. Donc, quand Motzei Yom Tov tombe un jour normal, imaginez mercredi soir, il y a Motzei Yom Tov. Et je vous pose la question, est-ce qu'il faut faire les Bessamim, Déborah, Motzei Yom Tov, est-ce qu'il faut faire les Bessamim? Motzei Yom Tov normal, un mercredi, non. Mercredi soir, non. D'après toi, pourquoi il ne faut pas faire? Il n'y a pas de Neshama Yetera. S'il n'y a pas de Neshama Yetera, ce n'est pas la peine. Quand Motzei Shabbat, par contre on fait parce qu'il y a une Neshama Yetera qu'on perd. Quand Motzei Shabbat tombe à Yom Tov, pourquoi on ne fait pas? Parce que ce qui vient remplacer les herbes odoriférantes, c'est quoi? C'est Yom Tov, le Yom Tov, la Simcha du Yom Tov, etc. Très bien. Maintenant, je vais être honnête avec vous et je vais vous dire qu'il y a certains Mefarshim, tels que le Rashbam, c'est comme ça que c'est écrit dans le Zohar à Kadosh, qui disent que bien sûr qu'à Yom Tov il y a une Neshama Yetera. Bien sûr, quand vous ne l'avez pas senti. Bien sûr qu'à Yom Tov il y a une Neshama Yetera. À Shabbat, il y a une Neshama Yetera. À Yom Tov, il y a une Neshama Yetera. Comme ça, le Zohar dit de façon explicite à plusieurs endroits, le Zohar dit qu'il y a une Neshama Yetera. Beaucoup de poskim disent qu'il y a une Neshama Yetera. Or, s'il y a une Neshama Yetera, on peut très bien comprendre pourquoi Motzei Shabbat qui tombe à Yom Tov, ce n'est pas la peine de faire les Bessamim. Oui, pourquoi Mme Journeau? S'il y a une Neshama Yetera à Yom Tov, pourquoi ce Motzei Shabbat-là, je ne vais pas avoir besoin de faire les Bessamim? C'est clair. Parce qu'elle est toujours là. Mais quelle va être la question qui va arriver maintenant, Mme Journeau? Pourquoi Motzei Yom Tov, je ne vais pas faire. Pourquoi Motzei Yom Tov en général, je ne fais pas? Et pourquoi Motzei Yom Tov, cette fois-ci, je ne fais pas? C'est une bonne question? Très bonne question. Alors, sur ça, il y a deux réponses principales qui sont données. La première réponse, c'est de dire que, et c'est la réponse peut-être la plus logique, la plus audible, c'est de dire que Neshama Yetera, il y a plusieurs niveaux de Neshama Yetera. C'est quoi, il y a plusieurs niveaux? Shabbat, c'est le summum de Neshama Yetera. Yom Tov, c'est déjà un niveau beaucoup moins grand. Chol HaMoed, encore moins grand. Rosh Chodesh, il écrit dans les Sfarim, dans certains Sfarim, il écrit que même Rosh Chodesh, il y a une Neshama Yetera. Vous êtes bien d'accord que le niveau de Neshama Yetera, ce n'est pas le même. Donc, ce que beaucoup de poskim veulent dire, c'est qu'effectivement, on peut dire qu'il y a une Neshama Yetera. Simplement, comme elle est petite, la Neshama Yetera de Yom Tov, Motzei Yom Tov, ça va, ce n'est pas la grande déprime, c'est la petite déprime. On n'a pas institué d'amener les Bessamim pour la petite déprime, que pour la grande déprime. Donc on refait le raisonnement. Cette année, Motzei Shabbat, on va d'après cette logique-là, qu'il y a plusieurs degrés de Neshama Yetera. Cette année, Motzei Shabbat, pourquoi je ne fais pas les Bessamim? Parce que, comme a dit Mme Journeau, c'est vrai qu'un Neshama Yom Tov, elle est petite, mais bon, elle est encore là. Je ne vais quand même pas faire les Bessamim et mépriser la petite Neshama. Donc ce n'est pas la peine de faire. Bon, alors pourquoi Motzei Yom Tov, je ne fais pas?
Parce que là, c'est une petite neshama maintenant qui m'a quitté. Je me suis habitué déjà au passage là, au passage entre la grande et la petite. Maintenant, ce n'est pas la peine de faire. Pourquoi le Motsei Yom Tov, en général, je ne fais pas? Parce que c'est une petite neshama etera. Cette petite neshama etera, on n'a pas institué de faire. Maintenant, il y a une autre réponse très jolie, plus mathématique, qui a été donnée par certains sfarim, qui consiste à dire la chose suivante. Quand est-ce que ça tombe à Yom Tov? Un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi? Oui? Oui ou non? En général, c'est comme ça que ça tombe à Yom Tov, sauf si ça tombe aussi Shabbat. Si Yom Tov il tombe Shabbat, dans tous les cas, je ferai la Havdala à cause de Shabbat. D'accord? Donc, c'est quand la question que je vais me poser? La question que je vais me poser, par exemple, c'est cette année. Dimanche soir. Pourquoi dimanche soir, je ne fais pas les Bessamim? Voilà, ça c'est l'une des réponses. L'autre réponse, tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui déprime l'homme? C'est quand sa neshama yetera, elle le quitte, et qui sait qu'il va devoir attendre 7 jours avant qu'elle revienne. 7 jours, c'est loin. Donc, Motsei Shabbat, ma neshama, elle me quitte. Je sais que j'ai une semaine entière à attendre pour que cette grande neshama yetera, elle revienne. Ça, il faut réconforter mon âme. Par contre, quand Yom Tov, ça tombe un mercredi, ça va, tu peux attendre jusqu'à vendredi pour avoir un nouvel âme, c'est pas très grave. Et quand ça tombe un dimanche, c'est quand même moins que 7 jours. Donc, comme ça, il y en a qui veulent dire que c'est que quand il y a 7 jours d'attente que. En tous les cas, ce qu'on a compris maintenant, Baruch Hashem, ce qu'on a compris, et je vous demande, la prochaine fois qu'il y a un Yom Tov ou un Shabbat ou un Motsei Shabbat, c'est pas la peine d'appeler le Rav. De vous-même, faites le calcul. Tous les Motsei Shabbat, que ça tombe un jour de semaine, un samedi, que ça tombe un Yom Tov. Un Motsei Shabbat, c'est voulais... toujours Shabbat. Oui, ouais, c'est ça. Je veux dire, ça compte un Yom Tov. Que ça tombe un Yom Tov. Ou que ça tombe un ce que vous voulez, un kippour, ce que vous voulez. Motsei Shabbat, dans tous les cas, le nerf, on le fait. Pourquoi on fait le nerf? Comme a dit Rivka, en souvenir de Adam Arishon qui a gratté le silex, ou je ne sais pas quelle pierre, ce jour-là. Donc ça, c'est... Donc tous les Motsei Shabbat, sans exception, on fait le nerf. Les Bessamim, en principe, on doit les faire les Motsei Shabbat. Sauf dans le cas où le Motsei Shabbat, c'est aussi un Yom Tov. Pourquoi? Pour deux raisons qu'on a expliquées. Soit parce qu'il y a la Neshama qui reste, soit parce que, dans tous les cas, il y a de la bonne nourriture. Donc ça, on a compris. Maintenant, quand Motsei, maintenant les Motsei Yom Tov, qu'est-ce qui se passe dans les Motsei Yom Tov en général? Hein? Motsei Yom Tov, on fait que le vin, voilà. Pourquoi on ne fait pas le feu, puisque ce n'était pas Motsei Shabbat? Et pourquoi on ne fait pas les Bessamim? Soit parce qu'il n'y a pas Neshama Etera, comme Tosfot, soit parce qu'il y a une petite Neshama Etera, donc ce n'est pas la fin du monde, soit parce que même s'il y a une Neshama grande, il y a peu de temps à attendre jusqu'à ce qu'on retrouve la Neshama. D'accord? Voilà, ça c'était, sans vous rentrer trop dans la Kabbalah, mais c'est pas chaud, c'est des notions qu'on peut...